Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Je m'appelle Thibaut, je suis bénévole au sein de l'équipe de programmation de la base. Aujourd'hui, on va parler de notre système alimentaire et agricole à l'heure du Covid-19, avec deux intervenantes du réseau AMAP Île-de-France, Sodé, qui est administratrice au sein du réseau, et Ise, administratrice et paysanne. Avant de démarrer, je vais vous faire un petit mot rapide sur la base. Donc c'est un lieu qui a été créé en mars 2019 par 10 organisations. Son objectif, c'est d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. C'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. Et c'est aussi ce bâtiment de 700 mètres carrés réparti sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un bar associatif qui accueille d'habitude plusieurs événements par semaine, des projections, des formations, des conférences, tables rondes, etc. Et qui est la source principale de revenus du lieu. Mais comme vous vous en doutez, dans le contexte actuel, le lieu est fermé et ne peut accueillir du public. Donc, a priori, plus d'événements, plus de revenus. Sauf que la base, c'est pas seulement un lieu, c'est aussi une communauté qui garde le lien malgré le contexte et malgré la distance. C'est pourquoi on a décidé de continuer à programmer des événements en ligne, pour continuer à échanger et à partager, surtout en ce moment. Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous propose de participer à prix libre lorsque vous suivez nos événements. Ça nous aide à faire face à cette situation et aussi à penser la réouverture de façon plus sereine à la fin de cette crise. Et donc pour participer, c'est simple, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est en description et que je vous redonne, labase.paris/don. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sodé qui va nous présenter l'événement d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. J'avais un petit problème technique parce que j'aurais bien aimé diffuser ça aussi sur notre page, mais du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il faut qu'on clique, mais je pense qu'on va oublier. C'est pas grave. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Merci à toutes et tous d'être là. Donc, moi, je m'appelle Sodé, je suis administratrice au réseau des AMAP en Île-de-France. Administratrice, c'est quoi? C'est en gros participer à la vie de l'association, lui donner ses orientations stratégiques et puis opérationnellement aider les salariés qui y travaillent. Et moi, je suis donc il y a deux collèges au réseau des AMAP représentés. Il y a le collège citoyen et il y a le collège paysan-paysanne. Donc moi, je suis AMAPienne et je suis citoyenne. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on avait envie de parler d'alimentation et de notre système agricole en général parce qu'on entend beaucoup parler d'alimentation. C'est normal avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, avec en plus le seul secteur n'est pas touché, voire qui en fait profite de cette situation, c'est les magasins et la grande distribution. Donc, je trouvais ça important voilà, d'en parler aujourd'hui. Et donc, Isolt, peut-être qu'elle pourra se présenter. Ou pas. D'accord. Donc, avec moi, il y a Isolt qui, elle, est paysanne au réseau des AMAP et qui va vous donner son témoignage. Et voilà, on va animer le live ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, on va les prendre et on va passer du temps à y répondre aussi après. Donc, d'abord, on va un petit peu vous faire un petit nous parler et puis ensuite, on vous donnera bien sûr la parole. Je vérifie juste que techniquement tout va bien. Je crois que oui. OK. Alors, allons-y. Donc, en ce moment, je pense qu'on est un peu tous devant notre télévision à entendre les différents éléments donnés par notre président. Par exemple, donc à son tout premier discours, Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas possible de déléguer notre alimentation à d'autres, ce qui est a priori un message fort. Puis la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est carrément un événement assez incroyable, je trouve, où notre ministre de l'Agriculture est allé dans une émission et a demandé en fait aux citoyens d'aller aider les agriculteurs dans leurs champs. Et donc suite à ça, donc cette demande, elle vient d'où? Cette demande, elle vient de la FNSEA, qui est le plus grand syndicat agricole.
qui en fait a expliqué au gouvernement que si les frontières étaient fermées, les travailleurs étrangers, en général polonais et roumains, ne pourraient pas venir. Donc il y en a 300 000, on parle de 300 000 personnes qui viennent chaque année aider en fait à récolter et à participer à notre agriculture. Sauf que c'est des personnes qui viennent en contrat saisonnier, donc c'est des contrats précaires. Voilà, et donc en fait, au moment où le ministre a demandé ça, tout le monde a compris un petit peu quel système agricole on avait. On a un système agricole qui en fait utilise de la main-d'œuvre étrangère facilement parce qu'ils viennent, ils sont payés bon, un minimum légal et puis après ils repartent et ça ne fait pas d'engagement. Et ensuite, on a vu donc un site créé par qui existait déjà mais soutenu par la FNSEA où en fait chacun pouvait dire moi je suis volontaire pour aller dans les fermes aider et en fonction des besoins les agriculteurs disent moi j'ai des besoins ou pas et donc ils sont mis en relation et peuvent y aller. Et je pense que vous avez tous vu comme moi à la télévision des personnes qui étaient très contentes d'aller dans les fermes et aider. Seulement, est-ce que vous vous êtes demandé dans quelle ferme en fait ces personnes allaient? Parce qu'on entend beaucoup parler, en particulier en ce moment, aujourd'hui, maintenant, 1er avril, de la récolte des asperges, de la récolte des fraises. Mais en fait, quand on va dans une ferme qui ne produit que des asperges ou que des fraises, c'est une ferme a priori en monoculture ou alors avec très peu de cultures variées. Ça peut être des fraises et des fruits rouges, par exemple. Voilà, donc en fait, tout ça, toutes ces annonces viennent remettre en perspective notre modèle agricole à nous, qui est, voilà, on devrait s'interroger sur notre modèle, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'en gros, on a envie d'être solidaire d'un système industriel avec des grandes fermes où on va aider volontairement, et c'est très bien d'être solidaire, des gens qui, en fait, participent à un système que peut-être à côté de ça, on aimerait changer, parce que c'est des fermes qui, en général, utilisent tous les produits dont on entend parler, voilà, glyphosate, pesticides et autres. Donc, d'un côté, les Français veulent moins de pesticides, d'un autre côté, ils vont aider ces fermes-là, donc ça pose quand même des questions un peu fortes. Et justement, au moment de ces annonces assez fortes et emblématiques de « aller tous aider », ça pose la question de quel modèle on veut soutenir. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait vous présenter un petit peu le modèle des AMAP, et on pourra parler d'autres modèles aussi, mais en tout cas, nous, on est représentants des AMAP, donc on va plutôt vous parler de ce système-là, et vous expliquer en quoi les AMAP, aujourd'hui, sont justement la réponse et vraiment je vais vous expliquer voilà sont la réponse la plus solidaire, la plus résiliente et la plus respectueuse à la fois pour l'environnement et les personnes qui travaillent dans ce milieu et les personnes qui évidemment ont la chance de bénéficier de ces légumes. Voilà, donc je vous explique en quelques mots. Isulte, est-ce que tu voulais peut-être réagir sur ces annonces-là ou... Oui, donc c'est bon, vous m'entendez? Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Isulte, je fais du maraîchage et je commercialise 100% en système AMAP. Donc tout ce qui a dit Sodé en introduction, bah évidemment je suis 100% d'accord. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer qu'il y a des alternatives pour produire, avoir des agriculteurs qui se rémunèrent bien, qui sont heureux et qui n'ont pas à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère occasionnelle. Voilà. Et on vous en reparlera après. Enfin, juste maintenant, parce que justement, une AMAP, c'est, donc ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un partenariat entre des paysans paysannes et des citoyens citoyennes. Un partenariat, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, il y a tellement de choses en même temps. Je pense à tout en même temps. Donc, il y a un principe fondamental de solidarité initiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le Covid-19 pour être solidaire.
C'est-à-dire qu'on s'est dit, effectivement, si chaque semaine, Isulte produit des choses et chaque semaine, elle doit se préoccuper de savoir où est-ce qu'elle va vendre, à qui elle va vendre et surtout dépendre des marchés avec des prix internationaux ou nationaux et donc ne pas décider elle-même du prix qu'elle va donner à ses productions, en fait, ça va donner in fine tous les cas d'agriculteurs en grande difficulté dont on entend parler et qui en fait ne vivent pas correctement de leur travail. Et donc le système AMAPS, donc c'est pas un système français, juste pour revenir un peu sur l'historique, c'est pas nous les Français qui l'avons inventé, ça vient des années 70 du Japon, ça a fait un peu le tour du monde et puis finalement c'est revenu en France, la première a été créée en 2001 en France et ça s'est beaucoup développé. Voilà, donc le système est basé sur un système de solidarité initiale qui fait que les citoyens, citoyennes vont garantir en fait une année ou 6 mois de revenus à un paysan, paysanne, ce qui va faire que cette personne va pouvoir être tranquille en fait et s'occuper de sa production, de son calendrier de production, de ses semis, des aléas climatiques en ce moment. Enfin voilà, donc il y a déjà énormément de choses à gérer sur un champ qui sont pas liés à la finance et à la trésorerie et à la distribution et à où est-ce qu'on vont aller nos produits, que du coup on s'est dit voilà, on va assurer et rassurer les paysans pour que eux ne s'occupent finalement que de produire et les citoyens du coup sont partie prenante de cette production. Et au lieu d'avoir une main-d'œuvre saisonnière mal payée qui vient aider, c'est les citoyens qui bénévolement vont aider à la ferme en cas de besoin. Donc voilà, donc ça c'est le système standard des AMAP qui n'a pas attendu le Covid-19 pour exister. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que du coup, il y a énormément de... On entend beaucoup parler de résilience alimentaire, d'autonomie alimentaire, de rupture de chaîne alimentaire, etc. Nous, chez nous, alors évidemment, j'ai pas dit les mots clés parce que c'est tellement naturel chez nous que donc évidemment les paysans, paysannes qui produisent, ils sont pas à l'autre bout de la terre, ils sont proches de nous. Donc Isulte, toi, tu produis, je crois, même pas 80 km de Paris. Ouais, à 60 km de Paris. 60 km de Paris. Moi, la paysanne qui livre mon AMAP, elle est à 50 km de Paris. Donc, on essaye, évidemment, je peux pas vous donner un chiffre, on essaye d'avoir le plus de paysans le plus proche possible. En Ile-de-France, c'est un peu compliqué parce que, j'y reviendrai un peu après, notre modèle agricole en Ile-de-France, c'est beaucoup de grandes cultures, donc il n'y a pas beaucoup de maraîchers. Donc voilà, mais en général, on dépasse jamais les 300 km maximum, grand maximum. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... Donc, on sait où les produits sont produits, on sait par qui ils sont produits, on sait comment cette personne vit, en fait, de son travail, on sait comment elle cultive aussi, parce que du coup, aller à la ferme une fois, deux fois, 10 fois par an, ça crée un lien très fort avec le producteur, la productrice, qui fait qu'on sait comment elle produit. Donc, la plupart des producteurs sont en bio, pas tous, mais même ceux qui sont pas en bio, en fait, qu'ils soient en bio ou pas, comme il y a un échange sur le modèle de production, finalement, même en bio, donc on a le droit de mettre des choses qui sont un peu sujets à controverse. Évidemment que les producteurs en AMAP, quand ils savent et qu'on leur pose la question, ils vont pas mettre le maximum de cuivre possible dans les labels bio. Donc, en fait, ça crée... Le fait que les citoyens soient engagés dans l'agriculture, ça automatiquement crée un changement de modèle de production, en fait, aussi, puisque c'est un partenariat complet. Donc, je ne sais pas, Isulte, peut-être que tu peux donner ton point de vue à toi de paysanne sur ce modèle. Oui, tout à fait. En fait, nous, on prévoit de produire exactement pour le nombre de personnes qui sont engagées avec nous. Donc déjà, ça nous permet d'éviter le gâchis parce que on sait par exemple qu'on a 2 hectares. Donc 2 hectares, on sait à peu près les quantités de légumes qu'on peut produire. Donc on sait le nombre d'AMAPiens avec qui on va contractualiser. Une fois qu'on a contractualisé avec eux, chaque semaine, notre challenge, c'est de ramener le panier avec les meilleurs légumes. Double solidarité parce que quand nous, on a des galères au champ,
les Amapiens, ils acceptent d'avoir des paniers plus petits. Et la solidarité dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, quand ça marche super bien, eh ben, on va pas vendre nos surplus à la Biocoop ou je sais pas où. Tout est dans les paniers des Amapiens et ils ont voilà des beaux légumes. Ensuite, en ce qui concerne nos pratiques, donc c'est quand même un gros challenge technique de produire des légumes. Du coup, on essaye de s'améliorer tout le temps. Et le fait d'en discuter avec les Amapiens, de leur expliquer, il y a plein de choses en fait qu'ils n'avaient pas compris, ou c'est normal qu'ils voyaient pas au début. Ils voyaient juste le cahier des charges bio. Et en fait, nous, bah, ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus loin dans la matière organique qu'on met dans le sol, ou d'où elle vient. Est-ce qu'on utilise le tracteur? Un peu, beaucoup, pas du tout. Pourquoi? Et en fait, à chaque fois, ça engage plein de discussions. Les gens, ils sont de plus en plus partie prenante. Quand ils prennent leurs carottes à la distribution, bah, et on leur a expliqué plein de fois que vraiment une carotte, c'était difficile à produire. Pourquoi? Ils sont venus les désherber, les ramasser, et ça change tout en fait entre nous et les Amapiens, quoi. Pardon, je crois que c'est à moi. Oui, j'ai eu un petit problème de. Ok, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc oui, voilà, le système AMAP, je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on les prendra après, dans pas longtemps. Du coup, ce que je voulais rappeler, c'est que aujourd'hui, en fait, moi, il y a des nouvelles que j'entends qui me choquent, ça me choque beaucoup. Quand j'entends, par exemple, que la grande distribution, c'est en gros le meilleur moment de sa vie parce qu'il y a eu une augmentation de 40% de chiffre d'affaires pour eux aujourd'hui. C'est vrai que ça me fait mal au cœur, quoi. Je me dis que c'est pas normal, que bon, je comprends que les gens soient inquiets pour leur alimentation, mais se ruer dans les supermarchés pour acheter des choses qui viennent d'un modèle productiviste, intensif, avec de la main-d'œuvre étrangère, ça pose quand même vraiment des questions, sans parler en plus d'où viennent la production. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez entendu un peu toutes les marques de grandes surfaces, donc Lidl, Intermarché, ils y sont tous, à dire qu'aujourd'hui, ils favorisent les légumes produits en France. Et moi, je suis ravie d'entendre ça. Mais en fait, ce qui va pas, c'est le système agricole dans son ensemble qui fait que des grands acteurs de la distribution ne veulent pas du tout favoriser le tissu rural ou périurbain français, les campagnes françaises, les paysans et paysannes françaises, et que ni les consommateurs d'ailleurs, et qu'ils ne pensent qu'à leur argent, et que donc ils vont acheter une carotte en Turquie, en Chine, au Chili. Si la chilienne est moins chère, ils vont acheter la chilienne, en fait. C'est comme ça que le système aujourd'hui fonctionne. Sauf que avec un cas de Covid, de virus qui se transmet et de potentiellement de rupture de chaîne internationalisée, eh ben ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ils peuvent plus acheter une carotte chilienne ou turque. Et donc ils en reviennent un peu par la force de ce virus, en fait, à se recentrer sur la France et peut-être l'Europe, peut-être sur certains produits plus tard s'ils voient qu'ils ont des ruptures. Donc, ça pose quand même des questions assez majeures de se dire qu'en fait, notre système alimentaire, finalement, dépend des échanges mondiaux et internationalisés qu'il y a, et que donc il y a les directeurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du commerce et de la FAO, du Fonds pour l'alimentation de l'ONU, qui ont fait un communiqué aujourd'hui pour dire qu'ils avaient peur justement de rupture alimentaire internationale. Oui, bien sûr, il va peut-être y en avoir, et eux, ils sont inquiets de ça. Moi, je suis beaucoup plus inquiète de, dans le futur, quel modèle alimentaire et agricole on veut, et est-ce qu'on veut justement avoir des produits qui traversent des milliers de kilomètres pour atterrir dans notre assiette, avec un modèle social
du coup, qu'on ne connaît pas parce que ça vient de pays lointains, on ne sait pas comment ils produisent, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans, on ne sait pas comment les gens vivent de ça, et un modèle qui potentiellement n'est pas pérenne, ou est-ce qu'on veut plutôt favoriser une production locale, avec donc une amélioration même par rapport au cahier des charges bio, où on connaît le paysan ou paysanne qui produit, et où on ramène de la vie dans les campagnes, et où on va remplacer les grandes cultures, par exemple, qui sont faites pour avoir plus de maraîchage, pour pouvoir nourrir nos cantines. Donc, il y a des choses quand même très intéressantes qui sont dites. Là, il y avait les municipales, donc le premier tour est passé. Et dans beaucoup, beaucoup de villes, ce qui était demandé, c'est des cantines avec de la nourriture biologique. Très bien. Mais comment on va faire ça, en fait? La nourriture biologique, elle va venir d'où? Aujourd'hui, par exemple, en Île-de-France, si on veut des cantines en biologique, ça veut dire qu'il va falloir transformer beaucoup de terres agricoles qui aujourd'hui produisent des grandes cultures de céréales et autres en maraîchage. En fait, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, on pourra pas avoir les cantines, elles vont pas manger que des baguettes, en fait. C'est pas vrai. Donc voilà, ça veut dire que l'alimentation, en fait, est absolument et complètement liée au modèle agricole qu'on veut. Et souvent, alors ça, cette crise va peut-être nous apprendre que les deux sont complètement liés et qu'on peut pas les séparer. Mais en tout cas, jusque-là, c'était très segmenté. C'est-à-dire qu'on avait des syndicats agricoles, en particulier la FNSEA, mais aussi d'autres, qui s'occupaient que vraiment du modèle agricole. Et des citoyens qui, eux, essayaient difficilement de comprendre ce que c'était les labels bio, de comprendre un petit peu où est-ce qu'il vaut mieux acheter, etc. Les AMAP, ça vient balayer tout ça et ça vient mettre tout le monde, en fait, ensemble autour d'une table. Et pour beaucoup, c'est très révolutionnaire, en fait. Et pour énormément de gens, c'est très révolutionnaire et c'est très dangereux parce que justement, on perd un peu la main, en fait. Les syndicats agricoles et les professionnels de l'agriculture perdent un peu la main si Madame Michu en ville vient leur dire, alors en fait, moi, je voudrais plutôt moins de ça, plutôt plus de ça, plutôt moins de glyphosate, plutôt plus, voilà. Donc, ils se sentent un peu en danger. Et nous, justement, c'est un modèle qu'on trouve très intéressant parce que si Isolt, en fait, elle savait pas à qui elle produisait et combien de paniers par semaine elle devrait livrer, elle serait livrée à la loi de la jungle de essayer de trouver un grossiste qui va lui acheter sa production à un prix qu'elle déterminera pas. Ça la mettrait financièrement et humainement en danger. Et c'est pour ça, en fait, enfin, entre autres, que le nombre de fermes a extrêmement diminué en France, qu'on est passé de 1950 à aujourd'hui de 1 million de fermes à 440 000. Donc, c'est tout un système qui fait que les fermes sont de plus en plus grosses, de moins en moins de gens y travaillent, avec les problèmes de biodiversité que ça pose, avec les problèmes derrière de qualité de l'air, de qualité du sol, de qualité de l'eau, de santé des consommateurs que ça pose. Donc ça, c'est le modèle industriel qu'on a aujourd'hui quand même, majoritairement, et que le ministre de l'Agriculture et que le président, finalement, aussi veulent encourager. Donc nous, ça nous pose beaucoup, beaucoup de questions. Nous, en ce moment, peut-être qu'on peut parler de en ce moment, nous, ce qui se passe, parce que nous, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit au début, c'est un système où les citoyens, citoyennes vont travailler bénévolement dans les fermes. En ce moment, avec la sécurité sanitaire, entre guillemets, la situation sanitaire, il y a une espèce de vide juridique autour du bénévolat. Donc si moi, par exemple, je voulais aller aider un gros producteur qui produit des asperges et qui me salariait pendant 3 jours, je pourrais faire ça. Si je veux aller aider Isult 3 jours sur sa ferme en mode bénévole, il y a un flou juridique et donc potentiellement je pourrais avoir une amende si j'y vais, quoi. Oui, exactement. En fait, nous, on a pris le parti de... Bah, en fait, on marche sur un fil depuis le début. Peut-être on peut peut-être revenir juste sur comment se sont passées les distries et tout ça. Donc, en fait, dès qu'il y a eu les mesures de confinement, bien sûr, on s'est demandé, la distribution de légumes, à la base, c'est le lieu le plus convivial où tout le monde parle, se fait la bise et traîne des heures et des heures.
Là, évidemment, on ne pouvait pas du tout rester dans ce système. Donc, on a organisé des distributions un peu en mode militaire. Prenez vos légumes et circulez. Là, l'important, c'est vraiment de respecter les consignes et de vous approvisionner en légumes. Tous les Amapiens ont été solidaires avec nous pour créer notre ferme, pour nous aider. Maintenant, c'est à nous d'être solidaires avec eux et de maintenir les distributions pour qu'ils aient au moins ne pas aller au supermarché pour quand même, il y a des Amap quand même des œufs, du pain, des légumes et des fromages. Donc, c'est quand même une bonne base. Donc, avec les présidents des AMAP, en fait, nous, pour qu'ils aient au moins ne pas aller au supermarché pour. C'est bon. Excusez-moi, j'ai un retour de son. Et donc, oui, donc, on est en lien avec les bureaux, les présidents des AMAP. Et c'est eux qu'on trouvait, on a trouvé des lieux alternatifs parce que les Amapiens, c'est aussi une recherche, une richesse de citoyens qui font plein de choses dans leur vie. Du coup, nous, par exemple, pour une des Amap, il y a une Amapienne qui fait de la radio, on a réquisitionné son local radio et on prépare tous les paniers à la ferme et du coup, les gens peuvent passer, on a mis des créneaux et en respectant les gestes barrières, et ben, passent et récupèrent leurs légumes. Donc, ça, c'est pour le côté distribution. Et après, sur le côté ferme, nous, on a pris le parti d'accueillir personne parce que pour l'instant, en tout cas, on espère que quand le confinement sera levé, on aura des gros chantiers de mobilisation pour nous aider. Mais là, devant le flou juridique, les AMAP, comme on est un peu un système alternatif depuis le début, après, il y a eu l'interdiction des marchés. On surfe un peu sur on est sur une ligne tendue. Donc, on fait le maximum pour juste qu'on alimente nos AMAPiens en produits et qu'on ne soit pas du tout embêté. Et peut-être qu'on peut parler de comment se passe. Comment quoi ? Les distributions se passent. Par exemple, nous, le paysan, la paysanne amène ses légumes dans des cagettes, enfin, je n'ai pas les bons termes, c'est dispatché sur place par les bénévoles à toutes les personnes qui viennent récupérer leur panier. Aujourd'hui, évidemment, on a évité tous ces différents, enfin que ça passe par plusieurs mains. Donc, il y a beaucoup de fermes qui ont préparé en amont les différents paniers et qui les ont amenés sur place pour que, en fait, il n'y ait qu'un seul échange et qu'une seule personne ne touche finalement le colis, enfin le sac Kraft ou les sacs en tissu qu'il y avait pour qu'il n'y ait vraiment qu'un seul échange. Et donc, le paysan, la paysanne préparait souvent et l'Amapien récupérait et partait avec son sac. Donc, il y avait vraiment, en termes sanitaires, c'était pas du tout comme un produit qu'on va acheter dans un étal de supermarché qui a traversé des dizaines et des dizaines de mains et potentiellement été touché par des dizaines de personnes avant nous, avant d'être choisi. Là, c'était vraiment en direct. Donc, une personne. Donc, ça limite quand même aussi beaucoup les risques sanitaires, quoi. Ouais, nous c'est exactement ça. On prépare tout à la ferme. Ça nous prend du temps. En fait, le but de la MAP aussi, en temps normal, hors épisode Covid-19, c'est que les Amapiens, vu qu'ils préparent les paniers sur place, nous ça nous gagne beaucoup de temps pour faire des tâches au champ, enfin d'autres tâches. Ça fait partie du partenariat. Donc là, temporairement, on prend sur nous, on prépare, on est deux, on prépare 225 paniers à la ferme parce que il faut s'adapter et c'est aussi la magie de notre système, c'est que comme on connaît les gens, on sait que si on leur donne des horaires de créneau, ils vont défiler, ça va bien se passer et eux, ils nous font confiance, pareil, dans la préparation des légumes et le respect des gestes barrières, quoi. Oui, et ça c'est hyper important de le savoir parce que finalement si toute la France était en AMAP, si on imagine une utopie comme ça, on n'aurait aucune question de rupture alimentaire finalement, de rupture de chaîne alimentaire. On n'aurait pas de problème d'agriculteurs ou d'agricultrices qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils savent pas à qui vendre leurs produits. Donc en fait finalement le monde agricole irait très bien. En vrai, il y aurait aucune difficulté et les citoyens eux auraient quasiment tout ce qu'ils mangent habituellement aussi quoi.
Après, je voulais juste peut-être revenir sur le côté. En fait, les Amapiens, ils nous achètent toute notre récolte à l'année. Et en fait, ce prix, ce qu'on appelle une part de récolte qui se matérialise par un panier, en fait, c'est le prix du fonctionnement de notre ferme et de notre rémunération. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'histoire de marché et que même s'il y a des petites variations dans les légumes, etc., en fait, comme on est des systèmes maraîchers, on produit une cinquantaine de légumes à l'année. Et du coup, même s'il y a une culture qui ne marche pas bien une année, souvent, en général, ça se compense par une autre parce que justement, on est dans la biodiversité et qu'on n'est pas en monoculture. Jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, depuis que je suis sur la ferme, on réussit toujours à s'arranger sur la totalité de toutes nos cultures. Et du coup, oui, donc, du coup, ce système de rémunération permet que nous, on est sûr de se rémunérer et que la ferme, toutes les charges qu'on a, elles sont payées. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Et tant qu'on est sur le prix, justement, préciser le prix des produits, souvent, les gens, le bio c'est plus cher parce que dans les magasins bio c'est plus cher. Et en fait, oui, dans les magasins bio c'est plus cher, mais pourquoi c'est plus cher? C'est plus cher parce qu'en fait, il y a des intermédiaires. Et ce que j'ai pas dit non plus, alors ce qui est quand même assez, c'est tellement naturel pour moi, je suis désolée. Donc la MAP, évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est un système où il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Il n'y a aucun intermédiaire. Il y a Isolt et il y a moi en face et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Donc, en fait, il n'y a personne pour marger. Moi, je ne suis pas la grossiste qui va vendre ou la distributrice qui va distribuer. Voilà. Donc, en fait, finalement, les produits, en moyenne, sont même beaucoup moins chers. Ils sont de meilleure qualité et ils sont beaucoup moins chers que dans les magasins biologiques. Donc voilà, je voulais aussi préciser ce fait. Je ne pourrais pas vous donner, j'ai vu une question qui disait à combien coûte la carotte, mais nous, on ne peut pas... ne fonctionne pas par produit individuellement parce que justement Isolt a dit elle produit à peu près 50 légumes elle dit pas mon navet je le vends 30 centimes et ma carotte je la vends non en fait elle fait un prix global pour toute sa ferme elle dit voilà mes charges voilà combien je veux me payer voilà combien coûte l'eau l'électricité les semis les plants etc le tracteur tout ça. Et voilà combien, si je veux à peu près me payer correctement, bah il faudrait que je vende mes 2 hectares de terre et leur production à tel prix. Et après, elle divise par ces 225 paniers et ça donne un prix moyen pour le global de ces 50 légumes répartis sur l'année. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on ne pourra pas vous donner un prix carotte ou navet individuellement. Oui, en fait, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire, historiquement, là, Saudé l'a dit, la TechKay, en fait, c'était de ramener, on va dire, le panier un peu typique pour nourrir un foyer pendant une semaine. Donc, nous, en fait, notre préoccupation, c'est pas de ramener, des légumes séparément, c'est de composer un panier avec, un petit peu plus des légumes racines et des feuilles, par exemple, en ce moment. Et l'été, bah, bien sûr, ce sera plus des tomates, concombres, etc. Et que les Amapiens, ils puissent, en cuisinant, se nourrir pendant la semaine. Et c'est cette part de récolte et ce panier, en fait, qui, pour nous, a un chiffre. Mais en tout cas, c'est clair que la carotte en soi, elle n'a pas de prix et c'est ça qui est magique en fait. C'est la magie du système. Alors du coup après pour un peu la dernière partie de la présentation entre guillemets, donc je pense que vous avez compris le système AMAP. Et donc derrière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça c'est quand même la question parce qu'on peut. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes là qui en ce moment se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. On est tous chez nous, on a un peu le temps, comment on peut changer les choses? Et ben alors d'abord, on peut s'interroger dès qu'on achète quelque chose. Je pense que là, le fait que tous les magasins soient fermés, on ne peut plus rien acheter, donc ça nous permet de nous concentrer sur les achats essentiels. On peut s'intéresser à d'où viennent les produits que j'achète. Est-ce qu'ils viennent de loin? Est-ce qu'ils viennent de pas loin? Est-ce que je sais qui les a produits ou au moins comment ils ont été produits? Voilà, ça c'est la première question. Après, l'idéal, c'est, j'ai bien envie de vous dire, inscrivez-vous tous dans des AMAP, mais en fait, je ne sais pas trop d'où vous êtes. Dites-moi un petit peu d'où vous êtes, on regardera tout à l'heure. Mais en Ile-de-France, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de places en fait, disponibles. Il y a beaucoup plus de personnes qui, dans les villes, en tout cas dans les grosses villes, qui veulent s'inscrire et avoir des produits qualitatifs
et qui savent d'où ils viennent que de paysans et de paysannes qui peuvent fournir ces légumes-là, en fait. Donc, on en arrive assez vite à « Ok, très bien, moi, je veux manger. Finalement, ce que je veux manger, bah, on ne peut pas me le donner parce qu'il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y a pas de place ? Il n'y a pas de place parce qu'en fait, la place agricole est prise par d'autres qui vont produire des choses, d'autres choses, qui vont produire des grandes cultures, du blé, des oléagineux pour faire de l'huile pour nous la revendre derrière en huile ou du blé pour l'exporter beaucoup. Voilà. Et donc, mon enfant à la cantine, bah, il pourra pas forcément avoir de bio local à cause de ces productions-là. Et moi, pareillement, si toute ma région produit des céréales pour l'export, ben, avoir des légumes pour moi, c'est pas forcément la priorité, quoi. Donc, en fait, il faut changer les politiques publiques. On peut s'investir dans différentes instances. On peut s'investir dans des associations qui vont porter ces voix-là. On peut s'investir dans des instances départementales qui déterminent. Enfin, tu pourras peut-être mieux en parler que moi. Isol, c'est les instances départementales qui déterminent au moment de la transmission des fermes à qui les fermes vont revenir. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font, enfin petites choses qui en fait ont des impacts majeurs, qui font que le système agricole va changer fondamentalement ou pas, quoi. Oui, en fait, il y a des politiques en fait qui gèrent un petit peu quand même l'orientation plus qui va s'installer ou pas. Ça se manifeste par plusieurs choses. Ça se manifeste par le foncier, par exemple. Donc, comme l'a dit Sodé, beaucoup de foncier agricole est utilisé par des céréaliers en Île-de-France. Voilà, on produit plus de 200% des besoins en Île-de-France. C'était un peu toute l'histoire de l'agriculture, de spécialiser les régions avec le porc en Bretagne, etc. Donc maintenant, il faut savoir quand même que les choses évoluent. Il y a des fils de céréaliers qui reprennent la ferme, qui sont prêts à passer en bio et qui, s'ils connaissent bien quelqu'un, sont d'accord pour lui prêter 2 hectares. Il faut savoir que les fermes céréalières, c'est plutôt 200 ou 300 hectares. Pour le maraîchage, 2 hectares, déjà, il y a vraiment de quoi s'occuper et de produire des légumes. Donc, en général, les fils de céréaliers, ils évoluent aussi, eux, dans leur modèle et ils sont OK pour donner, enfin, louer des terres, en tout cas, à quelqu'un. Après, il y a aussi les villes. Donc, il y a beaucoup de communes qui proposent des pistes. Parfois, c'est difficile parce qu'en fait, pour cultiver, il faut de l'eau, il faut quand même une terre qui soit de bonne qualité, plein de choses. Donc, au niveau de la production, les pistes proposées par les mairies sont pas toujours, pour l'instant, c'est plutôt des politiques qui connaissent pas les problématiques agricoles. Donc, des fois, il y a des petits décalages. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment quand même une volonté de changer les choses. Et à toutes les personnes en fait qui voudraient s'installer, parce qu'une fois qu'on a le foncier, après il faut les paysans. Donc je ne sais pas, Sodé, si tu veux parler d'Abiosol, je pense. Je vais en parler. Ouais. Enfin, ouais. Voilà. Et en fait, il y a nous au réseau. Enfin, elle va vous en parler après, mais on peut accompagner. Moi, je suis issue en fait d'Abiosol. C'est vraiment tout un réseau qui aide les personnes qui ont des vocations agricoles à s'installer. Et la dernière chose, donc, c'est au niveau des politiques, comme tu disais, il y a quand même des petits coups de pouce au niveau financier, au niveau des aides. Il y a des gens qui ne voudront pas en faire recours, mais en tout cas, quand on n'est pas issu du milieu agricole, qu'on hérite de rien du tout, qu'on arrive avec rien, ça peut quand même être un coup de pouce. Et du coup, d'avoir des veilles dans ces instances qui décident des aides, ça permet quand même de s'installer de manière plus sereine. Et tu parlais du foncier agricole et des municipalités. Il y a encore énormément de municipalités qui, quand même, sont dans des projets complètement d'un autre siècle. Quand on regarde dans le nord de Paris, quand on regarde Europa City, quand on regarde des projets de... Il y a encore énormément de municipalités, en fait, qui pensent que un centre commercial, c'est bien, quoi. Parce que ça va amener du trafic, parce que ça va peut-être nourrir les gens,
Voilà, donc ça c'est aussi important dans les... Alors peut-être que dans votre ville, votre maire a été élu, mais c'est pas grave, même si nouvelle équipe ou ancienne équipe, ou pas encore élu, c'est important de suivre un peu les projets municipaux de vos villes pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire des terrains qu'ils ont. Et les projets de, par exemple, agrandir tel supermarché, agrandir tel aéroport, agrandir telle chose, est-ce que c'est... Voilà, ça, vous pouvez vous pouvez beaucoup, beaucoup influencer ces projets-là aussi, en fait. Parce que si beaucoup de citoyens avaient été au courant dans les endroits où, par exemple, les citoyens se saisissent de ces sujets-là quand Leclerc veut s'agrandir, par exemple, souvent, le projet est retardé, voire n'est pas fait. Donc, on peut aussi avoir... Donc, ça, c'est un peu pour stopper le système d'avant. Et nous, on est surtout là pour parler du système d'après qu'on pense représenter, en fait. Parce qu'on entend beaucoup parler de solidarité. Ben, nous, clairement, c'est notre ADN. On entend beaucoup parler de sauvegarder nos agriculteurs. Ben, clairement, c'est aussi notre ADN. On n'existerait pas, en fait, sans ça. Donc, nous, cette crise, ça nous renvoie finalement à nos valeurs essentielles qu'on a mis en place et qui, voilà. Donc, c'est assez, enfin, entre guillemets, ça nous re-questionne pas mal. Donc, j'ai eu une première série de questions. Je vais peut-être y répondre un peu au fil de l'eau. Donc, je pense qu'on a répondu à les AMAP sont autorisés à distribuer. Oui, on a été autorisé à distribuer en se battant un petit peu parce qu'on savait pas trop. Parce que au ministère de l'Agriculture, on n'est pas forcément. En tout cas, c'est pas nous qui avons la voix majoritaire, comme je l'ai dit avant. Donc, en gros, dans les décrets du gouvernement, il y avait d'abord, il parlait de magasins, il parlait de marchés. Nous, on n'est ni un magasin, ni un marché. Donc, voilà, on est un peu en dehors des radars, quoi. Mais du coup, les différents réseaux régionaux qui existent et le réseau national ont fait pas mal de courriers en urgence au ministère de l'Agriculture pour préciser que nous aussi, on existait, que nous aussi, on distribuait. Et donc, on a eu des autorisations un peu au cas par cas. Certaines préfectures de région ont donné des autorisations et nous, c'est des départements qui nous ont donné des autorisations. Donc, oui, on distribue. Et comme on vous l'a dit, en faisant attention. Voilà, quoi d'autre? Ça, on va le garder pour la suite. Depuis quand les AMAP Île-de-France existent-elles? AMAP Île-de-France, c'est un réseau qui existe depuis 2003. Et alors, quelqu'un demandait de développer la question du système de production et de consommation purement locale. Ok, alors peut-être qu'on peut parler de ça. Effectivement, nous, le système AMAP, c'est un système local dans lequel donc Isole produit des légumes et souvent le partenariat, il est d'abord créé avec un maraîcher, donc les légumes. On pourra parler de l'arboriculture peut-être, donc les arbres fruitiers, où il y en avait énormément dans plein de régions et en fait, les arbres ont été abattus pour construire des autoroutes, pour construire des centres commerciaux, pour construire, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a un renouveau de ces municipalités qui se disent « Ah mince, en fait, on avait plein de vergers, ben on n'en a plus, les gens veulent des fruits quand même, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, on va peut-être essayer de replanter des arbres. » Mais bon, c'est des choses qui prennent du temps. Il y a beaucoup d'œufs aussi, livrés en AMAP, il y a beaucoup de pain, il y a un peu de viande, il y a un peu de fromage, donc finalement, il reste plus grand-chose à part du papier toilette. Alors, c'est le produit star du moment, mais le produit de papier toilette, oui, n'est pas fourni en AMAP. Mais donc la plupart, on va dire peut-être 80% des aliments peuvent être produits en AMAP. Et pour tout ce qui est thé, café, chocolat, je pense surtout à ça. Nous, on n'a pas forcément de, enfin, on n'est pas contre ces cultures-là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on n'est pas une police de la morale, quoi. On veut pas que tout le monde arrête d'acheter du chocolat et de boire du café et du thé. C'est pas du tout ça le propos. Et on veut pas arrêter tous les échanges internationaux non plus. Mais en fait, on est parti dans les échanges internationaux. Si seulement c'était que sur les produits qui manquaient de continent à continent, ça poserait pas ces questions-là. Là, les échanges internationaux ne sont pas du tout de cet ordre-là. Les échanges internationaux, c'est la France, on fournit du blé au Maroc et le Maroc nous fournit des légumes, alors que peut-être qu'on pourrait produire nos légumes nous-mêmes et peut-être qu'on pourrait les aider à produire du blé là-bas, en fait. Et en fait, comme disait Isolde, elle parlait de spécialisation des régions dans un pays, mais il y a eu une spécialisation des régions dans le monde aussi de production.
Donc, en fait, les États se sont arrangés en disant, tiens, moi, je produis la vache, toi, tu vas produire des dindes et puis on va se les échanger, ça va être plus drôle. Et voilà, donc c'est toute cette philosophie-là de spécialisation qu'il faut changer. Donc ça, c'est au niveau des dirigeants, il faut qu'ils changent complètement ça. Et il faut que nous, citoyens, en fait, on rappelle à notre président ses propres mots de « on ne peut pas déléguer notre alimentation à d'autres ». Eh ben non, absolument pas, on ne peut pas la déléguer à d'autres parce qu'en cas de crise sanitaire majeure, on se rend compte qu'il y a des problèmes fondamentaux, quoi. Donc voilà. Donc, il faut absolument qu'on s'engage tous et toutes pour changer le système. Et le dernier appel que je voulais lancer dans les 7 minutes qui me restent avant, avant la partie vraiment question, c'est voilà, n'hésitez pas, si vous avez une volonté de trouver un travail avec plus de sens et que vous avez des velléités de devenir paysan-paysanne, c'est possible. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est possible. Vous pouvez le faire et des structures comme Abiosol que disait Isolt, dans laquelle on fait partie, avec le site devenirpaysan.org. Voilà, c'est assez simple. Si vous voulez devenir paysan, vous tapez devenir paysan, vous tomberez sur le site, vous verrez toutes les formations qui sont proposées, tout l'accompagnement proposé et vous pourrez venir participer à une première soirée, par exemple, pour vous familiariser. Voilà. Et puis après, il y a tout un parcours que je ne vais pas détailler là, mais c'est possible et on a besoin de gens aussi qui s'installent aussi. Il y avait une question qui disait est-ce que vous prenez en charge la conversion? Alors ça, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est assez compliqué de convertir des gens. Et un dernier fait aussi que je voulais dire, c'est qu'il faut bien avoir en tête que d'ici 10 à 15 ans, il y a énormément de paysans, paysannes, enfin agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et ce moment-là, c'est le moment justement de récupérer les fermes et d'en faire un peu ce que nous, citoyens, on veut manger. Parce que si c'est un grand céréalier, peut-être qu'on mange la baguette, 10 baguettes par jour, mais peut-être qu'on pourrait, un grand céréalier sur 150 hectares qui part à la retraite, c'est quand même l'opportunité d'installer potentiellement une ferme en polyculture élevage, avec des animaux, avec du blé, on va garder le blé pour faire du pain, avec du maraîchage, avec des arbres, ramener de la biodiversité. Donc c'est vraiment aussi l'occasion de changer notre région et la forme qu'elle a en fait visuellement et sanitairement aussi, quoi. Donc voilà. Donc si vous êtes dans des coins où il y a des champs près de vous, vous pouvez vous intéresser à qu'est-ce que ce champ produit, quel âge a la personne qui produit. Souvent, vous allez rencontrer des personnes assez âgées. Et il y a des organes nationaux qui gèrent un peu la transmission, mais vous pouvez aussi participer à ces organes. Donc, il y a la SAFER qui s'occupe de la transmission des fermes agricoles. Mais vous pouvez vous engager en tant que citoyen aussi dans différents organes pour surveiller un petit peu à qui sont attribuées ces terres disponible, parce que le grand risque, en fait, c'est que un céréalier qui a 150 hectares, finalement, préfère donner ses terres à son voisin qui a aussi 150 hectares. Et comme ça, bah, il sait à qui il l'a donné, il est rassuré, quoi. Sauf que nous, est-ce que c'est ça qu'on veut manger? Pas non. Et voilà. Donc, c'est important de s'engager là-dessus. Donc, vous pouvez vous engager aussi dans des associations comme Terre de Liens. Eux, ils s'occupent justement de faire une veille sur les terres agricoles disponibles. Pour installer nouveaux paysans et nouvelles paysannes, pardon, je vais y arriver. Voilà, parce qu'on ne pourra pas tous se nourrir correctement localement si en fait on n'installe pas plus et plus de paysans paysannes. Ça, c'est important de le comprendre, quoi. Voilà. Donc, est-ce que Isolt, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe un peu plus aux questions que je vais t'envoyer d'ailleurs? Moi, je voulais rajouter, donc là, vous êtes tous des citoyens et en fait, l'importance, enfin, vous avez votre importance. En fait, nous, les paysans, sans les citoyens, on n'est rien parce qu'en fait, c'est vous qui consommez les produits, c'est vous qui vous soutenez, qui nous soutenez. Et si vous changez vos modes de consommation et que vous investissez, bah, ça permet d'ouvrir les portes. Si tout le monde continue d'aller dans les supermarchés et de pas se préoccuper de ce qui se passe, bah, je veux dire, le paysan tout seul dans son champ, il va rien faire. Donc, c'est vraiment pour montrer
peut-être qu'il y a des gens qui ont encore un peu de mal en fait à faire le lien entre l'alimentation et tout plein de crises. Voilà, je parle pas que du Covid, mais des crises aujourd'hui qui se passent. Mais en fait, l'agriculture par la commercialisation et aussi par donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est aménagement du foncier, et ben en fait c'est une porte d'entrée. Après il y en a plusieurs, mais c'est une porte d'entrée quand même pour changer le monde. Et le paysan tout seul dans son champ, il fera rien. C'est pour ça que moi c'est vraiment en fait des citoyens en partenariat avec les paysans qui changeront les choses, quoi. Absolument. Et d'ailleurs c'est pour ça que nous, quand on porte ce discours-là, en fait, dans des instances ministérielles, gouvernementales, etc., la FNSEA est littéralement choquée, en fait, et nous renvoie, mais n'importe quoi, l'agriculture, c'est un métier d'expert, etc., parce qu'en fait, ils ont peur de ça. Parce qu'en fait, vous, les citoyens, vous êtes importants et vous pouvez changer les choses. Et ils en ont marre, d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le magnifique terme que je ne citerai pas, où ils disent que en fait les citoyens tapent sur les agriculteurs. Ben oui, parce qu'en fait les citoyens ont des demandes, et comme en fait ils les écoutent pas parce qu'ils veulent pas les écouter, parce qu'en fait ils disent que c'est un métier d'expert, ben forcément ils se sentent agressés. Alors que nous, nos paysans, ils n'utilisent pas ce terme, parce qu'en fait il y a un échange quasiment quotidien, enfin en tout cas hebdomadaire minimum. Et donc il y a un respect en fait de l'être humain qui est en face de nous, quoi, qui produit. Donc on va jamais aller dire à Isolde, voilà, pourquoi tu mets ça dans tes produits, parce que en amont elle va nous expliquer les problèmes qu'elle a eu, la chaleur, le froid, les nuisibles, etc., etc. Et en fait il y a un échange, et donc cet échange est indispensable en fait pour comprendre les problématiques de l'autre paysan, paysanne, quoi. Donc c'est pas toujours facile en ville, mais en fait on peut le faire si on s'y intéresse un petit peu, je pense. C'est possible. Alors du coup, est-ce qu'on passe aux questions? On peut passer aux questions. Alors, je reprends les premières. Il y avait la question compliquée de quels sont les leviers pour aider des agriculteurs à passer en maraîchage ou en bio. Isolde, tu veux peut-être y répondre? Parce que comment on peut faire? Vous parlez d'agriculteurs conventionnels, donc plutôt céréaliers. Parce que là, il y a deux questions, il y a maraîchage et bio. Donc on va faire. Bon, maraîchage, déjà, faut voir que, enfin, c'est des métiers différents quand même de produire des céréales et des légumes. Donc, l'idée, c'est peut-être plutôt d'installer un maraîcher sur des terrains, et après, qui peut aussi accueillir un éleveur. Parce que quand même, sur les fermes diversifiées, on suit des coups de main entre nous, mais, enfin, c'est quand même pas la même chose de faire du fromage de chèvre, des légumes ou du pain, enfin, des céréales. Donc, ce serait plutôt l'idée d'installer des collectifs. Et après, sur le bio, en fait, ce qui freine aujourd'hui, de mon point de vue, en tout cas, beaucoup de conventionnels, déjà, il y a des barrières psychologiques, parce que, par exemple, bon, je vais parler de ce que je connais en maraîchage. C'est pas du tout la même chose de produire en bio et en conventionnel. Donc en bio, vous avez bien compris, on utilise zéro herbicide. Donc ça veut dire que pour désherber, on compte sur les amapiens, mais pas que quand même, hein, parce que on essaye aussi de faire du travail nous-mêmes. Donc, ça veut dire avoir d'autres techniques, donc soit du désherbage mécanique, soit des bâches avec de l'occultation. Enfin bref, c'est des techniques complètement différentes. Donc, c'est sûr qu'un maraîcher conventionnel qui, depuis toujours, met des produits herbicides, donc en amont de ses cultures, parce qu'il ne peut pas le mettre pendant, puisqu'il y a les OGM ne sont pas autorisés en France, mais il en met quand même en amont. D'un seul coup, on lui enlève ça et on lui dit il faut trouver d'autres moyens de désherber, il va falloir le former. Et c'est pour ça qu'il y a, là actuellement, il y a des organismes, le GAB, etc., qui peut l'accompagner en tout cas. Et la deuxième chose aussi, très importante, c'est d'avoir des bras en fait, beaucoup plus. Et en fait, pour lui, comme il était seul sur son terrain, il se dit des bras, ça veut dire un salaire, comment je vais faire pour payer? Alors que non, nous on est des bras et en fait on n'est pas payé. Donc voilà, c'est vraiment un système différent. Pardon.
Ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est les engrais chimiques. Donc, actuellement, en système conventionnel, en fait, c'est de l'azote liquide qui est répandu dans les champs. Nous, on n'utilise que de la matière organique, ce qui veut dire du compost, du fumier, etc. Donc, c'est une autre gestion. Ça veut dire, donc l'azote, en fait, c'est tout bête, mais l'azote liquide, en fait, ce qu'utilisent les conventionnels, c'est avec un pulvérisateur, c'est un passage dans le champ. Quand il faut épandre du compost et du fumier à la main, c'est un autre travail. Donc, en fait, c'est des techniques complètement différentes. Donc, pour passer en bio, il faut que la personne… moi-même, il y a des calculs de doses qui font que je n'ai jamais appris et que je… Enfin, je n'utilise pas de produits chimiques, donc, mais je ne saurais pas faire produire en conventionnel. Donc, c'est, voilà, il faut juste les accompagner et voilà, leur expliquer, passer les barrières dans la tête parce que c'est bien connu quand on fait quelque chose depuis toujours. Même nous, des fois, on est bloqué dans notre système et justement, quand un amapien nous parle ou quelqu'un extérieur, bah, c'est une évolution de passer ses propres prisons, quoi. C'est ça, ça c'est la plus grande, le plus grand problème. Entre autres, je voulais dire quelque chose sur. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Non, bon, bref, c'est pas grave, tant pis, ça me reviendra peut-être. Plus tard, je voulais rebondir, mais c'est pas grave. Alors, une autre question. Une autre question. Je pense que j'ai répondu à la première série. On a répondu à la première série. Comment faites-vous avec la variation du nombre de vos adhérents ? Comment on fait avec la variation du nombre des adhérents ? Ben, comme le contrat il est soit 6 mois, soit annuellement, ben, on en trouve d'autres. Enfin, c'est pas, ça dépend où, mais je veux dire, en ville, comme on l'a dit avant, il y a beaucoup de demandes, donc c'est pas le plus compliqué. Dans des endroits où les fermes sont pas loin et où certains ont l'habitude d'aller dans les fermes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, on gère la variation, les déménagements, la vie, on le gère. En fait, juste pour dire, en Ile-de-France, il y a plus de. Enfin, chaque AMAP a une liste d'attente, je crois, on peut dire. Du coup, bah, si quelqu'un. Enfin, nous, on sait qu'on peut produire un certain nombre de paniers, donc on ne va pas s'engager sur plus de contrats. Donc, si une nouvelle personne veut venir, elle se met sur liste d'attente. Et après, il y a quand même des déménagements, enfin des mouvements. Et la personne, elle rentre à ce moment-là. C'est tout en général. Il n'y a pas de… Non, enfin, on gère assez bien. Alors, il y a une question un peu compliquée. On a essayé d'y répondre un peu. La question, c'est comment faire pour avoir plus de paysans, paysannes en France ? Enfin, voilà. Donc je pense qu'on y a un peu répondu en disant qu'il fallait donc changer les en fait il faut changer plein de choses à plusieurs niveaux. Donc il faut par quoi on commence? On commence par défendre les terres agricoles déjà agricoles. Ça je pense que c'est quand même la base quoi. Si on a moins de terres agricoles, on va pas s'en sortir. Donc vraiment lutter contre tous les projets inutiles d'agrandissement, de supermarché, d'installation, de je ne sais quelle compagnie, voilà, qui doit acheter des terrains pour, voilà, agrandir son siège, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc des acteurs comme nous qui organisons des formations pour accueillir des porteurs de projets qui vont devenir des futurs paysans, qui vont les mettre sur les terres préservées par d'autres, voilà. Et la troisième chose, le troisième niveau, non, le troisième niveau dans lequel vous pouvez agir, c'est donc les municipalités et s'assurer que donc les terres sont préservées et que des paysans, paysannes qui produisent en local pour les cantines ou pour vous sont installés. Et la quatrième chose pour moi, c'est agir au niveau des politiques publiques nationales et internationales. Et alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut le faire aussi. Donc nous, nos organisations, mais avec d'autres heureusement, participent à beaucoup de luttes contre des traités internationaux, pour une autre PAC. Voilà. Donc il y a tous ces niveaux-là où il faut agir. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on mène une autre action avec d'autres aussi pour rappeler à notre président ce qu'il a dit, ce qu'il a martelé, et que nous, on va se charger de lui rappeler qu'il ne faut pas qu'on délègue. Et donc, comment on ne délègue pas ? Eh ben, on diminue les flux internationaux. Voilà, mais c'est vrai que, en tout cas, jusqu'à il y a 2 ans, quand on disait, je
quand on proposait quelque chose de enfin, en tout cas qui moi me paraît assez simple, de ben, si on exportait un peu moins de blé et qu'on remplaçait ce blé par du maraîchage, on nous regardait vraiment mais d'un air mais comme si on était les derniers des abrutis, comme si on n'avait rien compris, comme si alors que ben non, en fait, si on récupère 2% par an de nos terres, par exemple, qui produisent du céréal, 2%, pas grand-chose, pas tout d'un coup, mais on récupère petit à petit, voilà, quelqu'un part à la retraite, il a 150 hectares, hop, on récupère, quand je dis on, c'est vraiment, enfin, c'est nous, association, avec des porteurs de projets qui veulent s'installer, hein, c'est pas moi, mais en tout cas, la ferme est transformée, ce n'est plus des céréales, c'est de la polyculture élevage, il y a des animaux, il y a du blé, il y a du maraîchage, donc il y a un collectif de personnes qui s'installent. Ça change les choses. Donc voilà. Je sais pas, Isolde, si toi tu veux. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait passer 30 minutes à parler que de ça. Moi, j'aurais mon point de vue de paysanne, c'est de dire que c'est un métier formidable et il faut qu'il y ait des gens voilà, qui commencent le parcours. C'est un parcours long, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un métier complet. On pense un système, on pense un écosystème entier. On travaille avec des collègues. Chaque semaine, on va avec les Amapiens. Donc, au niveau social, c'est hyper riche. Et puis, là, de prendre conscience qu'un virus peut bloquer le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est la première fois que ça leur apparaît, moi aussi. Mais en tout cas, d'être dans la nature tous les jours et de voir que parfois, la nature, elle est forte, elle fait plein de choses, enfin, elle fait des choses que je n'aurais pas imaginées, bah, ça rend humble et du coup, ça permet aussi de se dire, de se remettre à sa place en tant qu'être humain et de se dire que les agriculteurs d'aujourd'hui, enfin, d'hier, j'espère, enfin, les gros tracteurs en tout cas, bah, ils savent très bien qu'il y a des choses qui, enfin, la fuite en avant de la technologie, ça va mener nulle part. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour une autre agriculture, donc par tous les moyens qu'a dissonné, mais aussi par des gens qui y pensaient un peu. Et bah, c'est le moment d'y aller. Là, c'est une crise, c'est une réflexion sur soi-même. On saute le pas, quoi. On saute le pas, on y va. On s'installe et on vous accompagnera. Vous nous écrivez, vous allez sur devenirpaysan.org et on vous aidera. On fera tout ce qu'on peut. Et alors, il y avait une autre question dans la question. C'est, admettons qu'on boycotte l'agriculture intensive dans l'appel à l'aide du ministre et qu'on ne veut aider que les maraîchers. Est-ce qu'il y a assez d'exploitations à aider? Oui, je pense qu'il y a assez d'exploitations à aider en Ile-de-France. Le problème, c'est comme on disait tout à l'heure, l'espèce de vide juridique dans l'attestation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on inscrit, quoi? C'est pas un contrat de travail, donc faudrait que je mente, en fait. Faudrait que je dise que je vais garder des enfants éventuellement. Enfin, je sais pas trop. Donc, il y a un vide juridique qu'on essaie d'éclaircir. Mais comme nous ne représentons pas l'agriculture majoritaire et que aujourd'hui les modes de distribution majoritaire c'est les magasins et la grande distribution en fait, pas les petits magasins. Donc ils ont d'abord le gouvernement a d'abord traité ce sujet-là. Donc peut-être que d'ici une semaine ou deux, voilà, peut-être que du coup on aura l'autorisation d'aller bénévolement aider. Mais en tout cas aujourd'hui. Même moi, personnellement, je suis administratrice de cette association et je connais des fermes, évidemment, et des paysans et des paysannes qui ont besoin d'aide, mais je ne les aide pas. Je reste chez moi à ne rien faire. Alors que potentiellement, je pourrais aller dans les fermes, mais ben non, l'espèce de vide juridique fait qu'on est tous un peu en attente, quoi. Voilà. Alors. Il y a une grande question sur l'agriculture urbaine, mais je te laisserai réfléchir, Isolde. Est-ce qu'on a des paysans dans le réseau qui créent des jardins-forêts? Des jardins-forêts? Je ne suis même pas sûre d'être bien sûre de savoir ce que c'est. Ça veut dire maraîchage et des arbres, en fait, ou c'est... Ouais, c'est ça. En fait, c'est c'est plus un système qui est global avec des arbres. Et après, l'idée à terme, c'est que ça fonctionne un peu en autonomie, quoi. La permaculture pure, quoi. Hein, ouais. Le système qui se nourrit lui-même, etc. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, en tout cas, mais oui, il y a des paysans qui pratiquent la permaculture, mais sans l'appeler comme ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on n'est pas trop dans les termes marketing, nous. Donc, la permaculture, c'est pas du marketing, mais c'est très utilisé par beaucoup qui en font du marketing. Mais c'est tout un système de pensée, c'est une philosophie complète, en fait. Voilà, écosystémique, enfin, c'est vraiment hyper large.
Et donc, nous, on a des paysans qui font de la permaculture sur certaines choses. Mais alors, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu de ferme gérée en mandala totalement, quoi. Donc, voilà. Bah, en fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est produire pour nourrir des gens. On a envie quand même d'avoir une certaine autonomie. Donc déjà, on fait recours aux amapiens. On appelle les amapiens à l'aide quand on est en galère. Mais c'est vrai qu'on axe quand même beaucoup sur la production. Et du coup, ces systèmes, nous, c'est plus les principes. Donc voilà, d'utiliser de la matière organique proche. On a créé une mare sur notre ferme pour que voilà, avec les interactions. On fait des cultures mixées, enfin on met plusieurs cultures sur la même planche, des choses comme ça. Après, vraiment nous on est axé sur la production, on veut des systèmes qui marchent, qui soient productifs, et c'est l'échelle au-dessus en fait de ça. Et par contre, il y a des céréaliers qui ont mis entre leurs tracteurs des allées d'arbres pour avoir en agroforesterie. Enfin, il y a un petit détail quand on passe du jardin à la production professionnelle, mais en tout cas sur ces grands principes. On est de plus en plus à s'en inspirer, maraîchage sur sol vivant. Enfin, là, on ne va pas rentrer dans les termes techniques. Mais en tout cas, c'est clair que l'agriculture, elle a pris un tournant, quoi. Et le tracteur, en tant qu'outil dans le sol, ça régresse de jour en jour, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'agriculture urbaine comme Isiolde l'a dit, si c'est une agriculture urbaine qui nourrit... Après, on a pas de, je vais pas donner l'avis de l'association au global parce qu'il n'y a pas encore de consensus en notre sein. Voilà, parce qu'en fait, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est comme quand on parle d'agriculture, c'est tellement large. Il y a énormément de projets différents en agriculture urbaine. Il y a des fraises en container, par exemple. Bon, ça, on est collectivement tous contre. En termes de résilience, voilà, c'est zéro, quoi. Donc, en général, mais on peut pas parler d'agriculture urbaine unifiée. Donc, il y a des projets d'agriculture urbaine qui sont, par exemple, plus résilients, qui produisent autre chose que des fraises, et de manière écologique et pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'agriculture urbaine ne nourrit pas, et nous, les paysans et les paysannes qui sont en AMAP, ils sont vraiment là pour nourrir la population, quoi. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui démarre. On n'a pas d'avis pour ou contre en un bloc, en tout cas. On prend les projets un par un, et voilà, il y en a certains qu'on peut soutenir, et il y en a d'autres qu'on ne soutient pas. En fait, nous, on pense que c'est complémentaire, c'est-à-dire que les gens, ils font beaucoup de végétalisation, de pédagogie, c'est très important. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu, même des adultes, qui n'ont pas de notion d'agriculture. Donc déjà, c'est un premier message, ils sont en ville. Et puis après, ils produisent des petites choses alimentaires. Après, je pense qu'en termes de surface, ils ne pourront pas nourrir, on le voit bien à Paris. Mais le côté un petit peu pédagogie, végétalisation, c'est complémentaire et on a rien contre. Ah non, on n'a rien contre la pédagogie, de toute façon, c'est tout ce qu'on essaye de faire. On est un mouvement d'éducation populaire, donc on n'a absolument rien contre la pédagogie. Mais c'est vrai, contre les fraises en container, ça questionne pas mal, quoi. Est-ce que c'est le bon moment d'adhérer à une AMAP ou est-ce plus judicieux d'attendre la fin du confinement? Non, tu peux écrire à l'AMAP qui est près de chez toi, voir s'il y a de la place. Peut-être qu'il y aura des paniers disponibles en plus parce qu'il y a quelques personnes qui sont parties s'expatrier ailleurs et faire leur confinement ailleurs. Donc peut-être qu'au moins tu pourras aller récupérer ces paniers-là pour pas que la production soit gâchée. Donc non, tu peux te renseigner dès aujourd'hui. Et alors là, Isiolde, question pour toi. Les agriculteurs, Tris, peuvent-ils semer les graines qu'ils veulent? Oui, bien sûr. On fait ce qu'on veut, on a nos systèmes. Nous, comme on a la certification bio, notre seule limite, c'est de semer des graines bio. Après, au niveau des variétés, on peut faire tout hybride, on peut faire tout population. C'est nous qui gérons. On peut faire nos propres semences, on peut prendre les semences... on est autonome sur nos fermes.
Et je pense que la question, c'est les semences. Est-ce que les semences, tu peux récupérer les tiennes, par exemple, et tu peux les replanter? Alors, la législation, elle évolue tout le temps, mais en tout cas, ce qui n'a jamais été interdit, c'est de vendre des légumes issus de tes propres semences. Là où il y avait un petit... ça a rechangé parce qu'on a refait une formation là en début d'année, c'était plus si je voulais produire des semences et vendre ces semences à mes collègues. Là, ce n'était pas autorisé. Et je crois que c'est pas encore super autorisé. Enfin, ils trouvent des moyens de le faire, mais pas super autorisé. Mais par contre, moi, si j'ai envie de produire toutes mes semences et de faire tous mes légumes avec, il n'y a aucun souci. Mais pour tes légumes à toi, que tu vas vendre à tes amapiens, enfin, que tu vas. Voilà. Tu peux faire ça. D'accord. Ouais. Donc, ça a changé parce qu'il y a quelques temps, c'était pas possible. Là, c'est possible. Ouais. D'accord. Bon, il y a des progrès. Et je sais que, par exemple, Carrefour avait milité pour la défense des semences paysannes. Aussi, donc c'est assez ironique, mais pourquoi pas. Est-ce que tous les producteurs des AMAP sont vertueux et n'utilisent pas de produits chimiques? Eh ben, tous les agriculteurs bio, en tout cas, n'en utilisent pas. Après, donc, le réseau, il fédère toutes les AMAP. Après, nous, on n'est pas des policiers. Chaque groupe AMAP fait un partenariat avec le producteur qu'il souhaite. Donc là, je ne peux pas m'engager sans tous les producteurs de France, voire plus. En tout cas, c'est sûr qu'en bio, on n'utilise pas de produits chimiques. Et dans le réseau des AMAP, en tout cas, nous, on favorise vraiment que les groupes AMAP passent des contrats avec des agriculteurs bio. Mais après, s'il y a des groupes AMAP qui ont des partenariats avec des agriculteurs non bio, bah, voilà. Souvent, ils ont quand même des agriculteurs en conversion. Oui, ou en conversion. Au pire, quoi. Enfin, j'ai jamais vu de groupe AMAP qui a un partenariat avec quelqu'un qui va vendre à Rungis et qui va produire avec... voilà. Donc, enfin, comme l'a dit Isiot, on n'est pas là pour être la police. Mais le réseau, c'est des valeurs, c'est des principes. Donc, voilà, c'est sûr que ces principes-là... Donc, j'ai même pas présenté le réseau vraiment bien. Il y a 350 AMAP, en tout cas, en Ile-de-France. Donc, il y a 350 groupes et à peu près 150 paysans qui sont affiliés aux... 200, je crois, pardon, 200 paysans. Ouais. Ouais, 200 paysans qui sont adhérents au réseau. Après, il y en a d'autres qui sont pas adhérents. Mais voilà, donc dans les 200, on va pas les voir toutes les semaines pour leur dire qu'est-ce que t'as mis, qu'est-ce que t'as pas mis, mais le travail, c'est la collaboration avec les groupes qui va faire que ils vont être sûrs, chaque groupe, chacun des 350 groupes, de comment son producteur produit, quoi. Et encore une fois, c'est aussi au groupe d'Amapien d'aller sur la ferme, d'échanger avec les paysans, voilà, et de voir ses pratiques. Là, justement, c'est la force du modèle AMAP, c'est le partenariat et c'est aussi les citoyens qui s'emparent. C'est pas question d'aller dire aux paysans « fais ci ou fais ça », mais c'est de le questionner et d'obtenir des réponses, quoi. Et alors, admettons qu'il y ait une recrudescence de demandes d'adhésion aux AMAP, comment allez-vous gérer ? Ben, on espère qu'il y aura une… Enfin, on voit déjà qu'il y a une demande qui augmente, en fait. On a des appels dans plein de groupes, on a des appels, des mails de personnes qui s'interrogent et qui veulent s'inscrire. Donc, on sait qu'il y a une demande et on est très content d'ailleurs de ça. Que les citoyens s'interrogent et veulent changer leur alimentation, ça c'est génial. Et comment on va faire ? Eh ben, on va continuer notre plaidoyer, on va continuer les actions qu'on mène de formation, on va continuer nos actions politiques, on va continuer tout ce que je vous dis là pour transformer les terres de céréales, etc. On les porte aussi à la région, on les porte aussi au ministère. Enfin, donc, on continue notre travail. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous aider à porter ces plaidoyers plus largement. Mais on continue le travail avec d'autres associations, avec la Confédération Paysanne. Enfin, voilà, donc on agit pour essayer d'installer des paysans parce que, comme j'espère qu'on a expliqué, si des Isiolt aujourd'hui, elle ne peut pas produire pour plus que 225 personnes. Donc, s'il y a 50 personnes qui veulent la rejoindre, en fait, elle ne peut pas si elle n'a pas de nouvelles terres. Sur 2 hectares, elle ne pourra pas. Donc, en fait, il faudrait qu'elle ait plus de terres pour potentiellement, donc, on essaye d'acquérir des terrains et de sauvegarder des terrains pour installer de nouveaux porteurs de projets ou éventuellement, si Isiolt veut produire pour plus de personnes qu'elle puisse, etc. Donc, on continue nos actions.
Mais en tout cas, il y a des porteurs de projets aujourd'hui. Il y en a tout le temps. En fait, c'est le principe du réseau. Il y a tout le temps des gens en formation. Et il y a des gens qui peuvent s'installer demain. Et ce serait génial qu'ils trouvent une AMAP qui les accompagne du début à la fin, quoi. Ça serait top, ouais. Donc on a, en moyenne, je ne l'ai pas dit, mais en moyenne, on accompagne à peu près 70 porteurs de projets par an dans le cadre donc à Biosol, de devenirpaysan.org. Et sur ces 70, il y en a à peu près la moitié qui s'installe à la fin de, on va dire, 2 ou 3 ans pour différentes problématiques, parce que l'accès au foncier est pas facile. Il y a aussi un problème de féminisation du métier. Donc là, moi, je suis ravie que Isul soit avec nous, mais c'est vrai que quand on est une femme paysanne, c'est un peu plus compliqué puisque le système patriarcal est quand même là. Et donc, quand on est seule ou pire, quand on est en couple et qu'on va dans une banque avec un homme, c'est souvent l'homme qui est regardé. Donc voilà. Donc il y a différentes problématiques qui font que les femmes s'installent moins. Mais en tout cas, on en a 70 par an qui viennent nous voir et qui suivent les formations et qui demain, en fait, sont prêts à s'installer. Donc voilà, c'est vraiment leur trouver des terres et les aider, leur dire, bah, nous, on voudrait monter un groupe AMAP et on voudrait le faire avec toi. Donc un des travaux du réseau, c'est aussi de mettre en, si vous voulez monter une AMAP, par exemple, si vous voulez agrandir, si par exemple vous êtes 10 dans une AMAP sur une liste d'attente et que vous vous dites, bon, il y en a marre, on veut en créer une et on va se trouver un producteur autre, ben, vous pouvez contacter le réseau et le réseau vous mettra en contact avec un ou une producteur ou autrice en devenir et vous pourrez l'accompagner du début jusqu'à la fin et vous aurez une relation incroyable avec cette personne parce que si en plus vous êtes là avant même qu'elle s'installe et que vous la soutenez dans toutes ses démarches, ben forcément, quand elle sera installée, elle vous en sera, pas éternellement, mais quasiment presque reconnaissante, quoi. Donc, en tout cas, c'est le cas de moi, la paysanne de mon AMAP qui a été soutenue par un groupe AMAP depuis le début. Et elle dit, de toute façon, s'il n'y avait pas eu ce groupe, moi, je ne me serais pas installée. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont soutenue à chaque fois que j'avais des moments de doute, un hiver catastrophique, etc. Ils m'ont dit, mais non, mais on sera là. Et donc, on a une relation, elle a une relation avec ce groupe qui est incroyable, en fait. Et toi, Isult, tu as été soutenue par un groupe d'Amapien au début aussi ? Ouais, bah, c'est mon groupe de la Goutte d'Or du 18e. Voilà, et ils ont toujours été là du début à la fin. Et voilà, bah, je les aime et c'est grâce à eux que je suis là. Et là, de les livrer en période de Covid, bah, c'est encore plus fort. Quoi. Enfin, c'est faut que vous le viviez en fait. On ne peut pas vous en parler. Il faut que vous le viviez vous-même. Quoi. Comme une histoire d'amour, on ne peut pas en parler. C'est pas possible. Alors, une relation, quelle relation SAFER AMAP? En fait, donc la SAFER, c'est un organe étatique qui, je ne sais même plus les acronymes, qui, elle, va s'occuper de la transmission des fermes. Nous, en fait, en tant que réseau AMAP, on intervient surtout pour préserver les terres agricoles, mais surtout avec d'autres structures, avec Terre de Liens, surtout pour essayer, si nous, on a des porteurs de projets, par exemple, qui veulent faire de la polyculture et élevage, pour aller faire un peu l'intermédiaire et les aider s'ils ont besoin de nous pour les aider à ce que leur dossier soit validé. Voilà, on n'intervient pas des masses, donc c'est vraiment deux organes à part. La SAFER, c'est un organe étatique, nous on est une association, mais on va accompagner des porteurs de projets si la SAFER bon, en général la SAFER, les SAFER sont quand même assez elles veulent que les terres restent agricoles, donc c'est pour ça qu'elles existent déjà. Et après, sur le modèle qu'elles promeuvent, c'est pas toujours facile. Quand on arrive et qu'on est 5 citadins reconvertis, qu'on leur dit, bah voilà, en fait, moi je veux faire du pain, moi je veux faire de l'élevage, etc. Parfois, on peut être regardé comme, voilà, mais c'est quoi ces bobos, c'est quoi ces chevelus, etc. Donc, nous, on peut un peu les aider, aider ces porteurs de projets à montrer qu'ils sont sérieux, quoi. Mais on n'a pas plus de relations que ça. Après, juste un truc, c'est qu'en Ile-de-France, peu de paysans sont propriétaires de leurs terres. Il y a beaucoup de fermage. C'est un loyer, c'est de la location, mais vraiment à l'avantage du paysan.
Et du coup, la SAFER, elle intervient pas beaucoup parce que, en fait, acheter du foncier, c'est encore s'endetter encore plus. Déjà, s'installer, ça coûte cher. Donc, finalement, ce système de fermage, on est quand même assez content de l'avoir, ce qui nous permet d'avoir des terres pour pas trop cher et d'être vraiment protégés. Voilà, on peut pas nous virer comme ça. Alors après, la MAP qui a pas voulu s'engager pour le pacte pour la transition, du coup les 350 AMAP sont chacune indépendantes. Il y en a certaines qui sont plus ou moins conscientes du rôle qu'elles ont à jouer et d'autres qui, voilà, le pacte pour la transition c'est un pacte, c'est un rassemblement de à peu près 60 associations qui ont fait un grand projet pour les municipales. Pour justement porter un pacte pour la transition globale, donc pas que l'alimentaire, mais l'alimentaire, l'énergie, les mobilités, le handicap, etc., etc. Et donc, certaines AMAP se sont mobilisées pour et d'autres non. On n'est pas la police encore une fois, donc on aimerait bien effectivement que les 350 soient hyper militantes, hyper engagées, mais voilà. Mais je veux bien leur nom quand même, j'irai les voir. J'ai entendu plusieurs fois qu'une AMAP était plus une alternative hybride qu'une réelle alternative autonome. Ajustement des prix avec le marché, il n'y a pas toujours une convivialité voulue. Une alternative hybride, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour nous, en tout cas, c'est une alternative complètement autonome et il n'y a pas d'ajustement des prix avec le marché, en fait. Enfin, il n'y a aucun ajustement des prix avec le marché, donc... Donc non, enfin, faut pas mélanger les AMAP avec la ruche qui dit oui et d'autres systèmes de vente comme ça. Donc nous, il y a un ajustement avec le si les conditions du paysan paysanne évoluent. Si par exemple elle a besoin d'acheter un tracteur, je sais pas si elle est inondée et qu'elle a besoin de faire énormément de travaux, peut-être que là il y aura une augmentation du panier. Mais en fait, il n'y a pas de marché en fait. Donc, le marché, il est en direct entre la productrice et les citoyens. Donc, c'est un accord entre les deux, entre guillemets, quoi. Sur proposition du paysan, les citoyens acceptent ou pas. Donc, il n'y a pas de marché. Si d'un coup, tout le monde prenait conscience de manger au moins bio et français, savez-vous quelle part de la population pourrait-on nourrir? Si d'un coup, là, tout de suite, là, maintenant, là, aujourd'hui, on a 7% de notre surface agricole qui est en bio. 7% c'est pas beaucoup, donc on pourrait nourrir 7% de la population très largement. Alors en plus 7% de la population, 7% de la surface agricole, faut voir après ce qui est produit en bio. Donc par exemple les légumes, on est pas mal. Sur tout ce qui est viande porcine, ça va pas du tout. Sur tout ce qui est volaille, il y a pas beaucoup de bio. Donc en fait on pourrait nourrir moins de 10% de la population en quelques produits, quoi. Donc aujourd'hui, le système agricole tel qu'il est, ça permettra pas de nourrir tout le monde. Mais justement, il faut que les gens évitent les supermarchés, s'engagent pour toutes les choses qu'on a dit localement, soutiennent les paysans et paysannes qui vont rencontrer, les porteurs de projets qui vont rencontrer, et ce système va petit à petit changer. On va passer de 7 à 9, à 12, à 15, à 20. Et quand 25% de la surface agricole sera déjà en bio, on pourra nourrir beaucoup, beaucoup plus de monde, quoi. Donc voilà. Alors, je crois qu'il y avait un dernier set de questions. Ouais, on va peut-être conclure, non ? Ouais, on va. Thibaut nous a dit qu'on pourrait rester 5 minutes ou 10 minutes de plus max. On se donne 40 pour terminer au max. Peut-on imaginer qu'un jour le maraîchage soit un secteur qui embauche? Oui, alors ça, j'aimerais en parler parce qu'on n'a pas du tout parlé d'emploi. Et justement, nous, en fait, sur les fermes amapiennes ou les petites fermes de toute façon, en général, il y a beaucoup plus d'emplois. Il y a beaucoup plus d'emplois que sur de la monoculture. Donc, l'exemple donné, c'est pour 100 hectares de monoculture, il y a une personne qui travaille. Et sur du maraîchage, pour 2 hectares, il y a en moyenne une personne par hectare, donc 2 personnes, en moyenne. Hein, voilà. Donc forcément, le maraîchage, oui, ça demande beaucoup plus de bras, et en particulier le maraîchage bio, comme le disait Isult, si elle ne met pas d'herbicide, faut désherber. Donc
ça demande beaucoup plus de... C'est très long. Parfois, on se retrouve à 20 à aller désherber des carottes. Donc oui, forcément, ça, c'est de l'emploi, quoi. Beaucoup plus. Et avant, quand je dis avant, c'est il y a 70 ans en France, toutes les fermes en fait étaient de la polyculture élevage. Il n'y avait pas de ferme telle qu'on connaît aujourd'hui monoculturelle, ça n'existait pas. Tout le monde avait sa ferme. D'ailleurs, c'est pour ça que les fermes avaient trois bâtiments différents et voilà. Donc ils avaient des animaux, ils avaient du maraîchage, ils avaient parfois du blé, parfois autre chose. Voilà, donc toutes les fermes avant étaient comme ça. Donc nous, on prône à ce qu'on revienne à ce modèle-là. Quoi. Évidemment, il y aura donc beaucoup plus, ça sera un secteur qui embauche fortement. Que pensez-vous d'autres initiatives en circuit court comme la ruche qui dit oui Ah là là, la ruche qui dit oui. Comment dire? Moi, j'aime bien... Je trouve que, en tout cas, pour le public, ils ont une newsletter, par exemple, que je trouve très bien faite. Donc, ils font un peu de pédagogie, ils expliquent un peu l'agriculture, la permaculture, etc. Donc, ça, je trouve ça bien. Par contre, en termes de modèle agricole qui est défendu, ce qui est défendu, je trouve que c'est bien. Par contre, concrètement, ce que ça fait, aujourd'hui, en fait, 80% de ce que la ruche qui dit oui vend, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux, parce qu'on se parle, hein, on fait des conférences ensemble et on se parle, 80% de ce qu'ils produisent n'est même pas bio. Donc, en fait, ça fournit un autre débouché à des producteurs qui sinon vendraient à Rungis et qui vendraient à des grandes surfaces. Donc, voilà, si c'est pour se... comment dire, pour enrichir encore ces gens-là, c'est pas le système qu'on prône. Et Isult, peut-être que toi, tu pourrais donner la version paysanne, paysan, je sais pas, mais moi, je sais que j'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux qui, en fait, même pour eux, ça fait un autre débouché, sauf que c'est pas simple parce qu'il faut qu'ils se déplacent de place en place. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont en train de revenir de ça, de producteurs, productrices. Après, c'est un système que les citadins aiment bien. C'est sympa d'être chez soi et de commander en ligne. C'est sûr, c'est sympa, mais en fait, c'est comme si on allait au magasin, quoi. Donc on sait pas comment ça s'est produit. Et puis cette personne qui produit quand même ses produits, si on lui achète pas, qu'est-ce qu'elle va en faire? Bon voilà, donc ça pose plein de questions en fait, la ruche qui dit oui. Et les produits sont margés aussi. Et bien sûr, les produits sont margés. D'ailleurs, ils sont très chers. Je l'ai même pas dit, mais ils sont très chers. Donc parce qu'ils sont margés. Voilà. Donc ce qu'on en pense, c'est que c'est ni blanc ni noir, mais que c'est voilà. Donc ça, moi j'aime beaucoup leur newsletter, quoi. Vous pouvez vous abonner, vous apprendrez des choses. Où est Isult? Où es-tu, Isult? Où es-tu? Où sont tes champs? Ah, à côté de Coulommiers, à Saint-Augustin. C'est à l'est de Paris, en allant sur Nancy, là, une heure de Paris. Nord de la Seine-et-Marne, plus précisément. Voilà. Isult est là. Et par contre, tu livres deux AMAP, toi, je crois? Oui. Alors, enfin, nous, on est deux. On est un GAEC. Donc, avec mon collègue, on livre deux fois par semaine. Le lundi à Bagnolet et Romainville. Et le jeudi, dans le 18e, à la Goutte d'Or. Voilà, à la Goutte d'Or. Je ne sais pas si tu as de la place dans tes AMAP, mais je ne pense pas. Mais vous pouvez sur la liste d'attente. Voilà. Il vous recevra avec plaisir. Vous lui direz que vous l'avez vu en live. Et elle sera très sympa avec vous. Il n'y aura aucun problème. Après, il y a toujours des déménagements. Et parfois, voilà, on prend un ou deux paniers en plus. Hein. C'est pas définitif. Hein. Non, c'est jamais définitif, il ne faut pas désespérer, absolument pas. Et il faut vous inscrire. Et au pire, il faut créer un nouveau groupe AMAP avec un nouveau paysan, paysanne en devenir. Donc, c'est possible. Vous pourrez vous aussi avoir vos paniers de légumes. C'est possible, vraiment. Croyez-y. Voilà, bah, je pense qu'on va terminer ici ce live. Si ça vous va. Ouais. C'est bon pour toi? Bah, je pense, si c'est bon pour tout le monde. J'espère qu'on a répondu, j'espère que c'était clair, j'espère qu'on a répondu aux différentes questions, j'espère que maintenant vous avez envie de vous engager, que cette crise vous a permis de prendre conscience
de notre système un peu au global et que tout était lié et que la résilience et la solidarité, c'est important sur le long terme. C'est noté. Eh ben, merci à vous deux d'être intervenus pour échanger sur notre système alimentaire et agricole dans ce contexte de crise, mais aussi avant et après. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Ce live reste visionnable sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à le partager et à participer à Prix Libre aussi sur le site labase.paris/don. Et on vous donne rendez-vous vendredi dans 2 jours, 3 avril à 18h, pour échanger sur le thème de la solidarité en Île-de-France dans ce contexte. Et voilà. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.